du lait de chèvre. Il n'y a rien de meilleur. Claire serait bien mieux si elle pouvait en boire. Hein, Claire? Lily, Piquet, Kiki, j'ai l'air. Alors, est-ce que tu m'as fait apporter ma lettre? Quelle lettre? Celle de Claire? Bien sûr, voyons. Oh, dis, tu vas pas me la demander chaque jour, je te la donnerai quand je l'aurai. Faut être raisonnable, Heidi. Le docteur n'est de retour à Francfort que depuis hier. Comment veux-tu déjà avoir une réponse de ton ami? Un peu de patience, voyons. Voilà, général, c'est pour vous deux. Heidi, fais-moi le plaisir d'oublier cette lettre pour le moment. Je préfère de beaucoup que tu t'amuses. Allez, monte vite au pâturage avec Pierre. C'est ce que je vais faire. À soir, grand-père. C'est bien vrai? Alors je peux aller voir mon ami? Puisque je te le dis, ai-je l'air de plaisanter, Claire? L'air des montagnes te fera le plus grand bien, tu verras. Oh, je suis sûre! Tout est réglé, ma chérie. Mademoiselle Rougemont a fini par consentir grâce au docteur qui lui a tout expliqué. Vous êtes vraiment gentil pour moi, docteur, merci. Mais mon enfant, ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci. Je n'ai pas de mérite, c'est Heidi et ses montagnes qui m'ont persuadé. Conquis même. Docteur... Claire, j'ai quelque chose à te dire. J'ai réfléchi et j'ai demandé à Mademoiselle Rougemont de t'accompagner dans ce voyage. Ah, avec Mademoiselle Rougemont? Écoute, sois raisonnable, tu ne peux pas voyager seule, voyons. Je ne vous cacherai pas, Mademoiselle Claire, que je désapprouve toujours ce voyage dans les Alpes. Mais puisque le docteur et votre père en ont décidé ainsi, moi je n'ai plus qu'à m'incliner. Pourquoi ne me ferais-je pas une raison? Après tout, mon devoir est de veiller sur vous. Oui. Bon, j'ai affaire, il faut que je m'occupe de tous les bagages. Permettez-moi de me retirer, monsieur Gérard. Faites donc, je vous en prie, mademoiselle. Papa, penses-tu que ce soit absolument indispensable qu'elle vienne? Hein? Je vais toujours la voir sur le dos, ce n'est pas drôle. Ne sois pas ingrate, ma chérie. Je suis le tout premier à reconnaître qu'elle est parfois sévère, mais il reste qu'elle se préoccupe de toi et ne pense qu'à ton bien-être, Claire. Tu crois? Mais bien sûr, quelle autre raison voudrais-tu qu'elle ait de s'opposer à ce voyage, à ton avis? Mademoiselle Rougemont a beaucoup de dévotion pour toi, ma chérie, crois-moi. Oui, je suppose que c'est vrai. Oh, excuse-moi, je t'en prie. En fait, qu'elles viennent ou ne viennent pas, les montagnes ne perdront pas de leur charme pour autant. Ah, c'est parfait alors. Bon, tu n'as plus un moment à perdre. Il faut envoyer un mot à Heidi et songer à commencer à faire tes valises. Papa, encore merci. Surtout, profites-en bien et reviens-moi vite. Je vais demander à grand-maman qu'elle aille te voir là-bas. Oh, grand-maman viendra me voir? Mais oui. Moi, de mon côté, je vais faire ce que je peux. Je tâcherai de venir pour quelques jours. Oh, vous allez venir me rejoindre là-bas, vraiment? Oh, oh là 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 là. Pour moi, il est important que je sache quelque chose. Quoi? Je voudrais que tu me dises pourquoi ces vacances dans les Alpes te remplissent d'une telle joie. Et parce que je vais en faire voir Heidi? C'est une excellente raison, je comprends. Je sais très bien ce que Heidi est pour toi. Et ce voyage ne peut que t'être profitable sur tous les points. Rien de mieux que l'air des montagnes. Cependant, Claire, en ce qui te concerne, il y a bien d'autres choses à considérer. Entre toi et moi, j'attends énormément de ce voyage pour arriver à fortifier tes jambes, ma chérie. Quoi? Fortifier mes jambes? Mais comment ça? Eh, bien sûr. Laisse-moi le temps de t'expliquer. Là-bas, il n'est pas question de te déplacer comme ici. D'abord, tu n'auras pas Sébastien à ta disposition. Puis, Mademoiselle Rougemont n'a pas l'habitude de la haute montagne. Quant au grand-père de ton ami, il a certainement bien des choses à faire. Il n'aura donc pas le temps de veiller sur toi comme on peut le faire ici. Tu ne pourras compter que sur toi. Par ailleurs, avec ton fauteuil roulant, il ne te sera pas possible de t'aventurer bien loin de la maison. C'est la montagne, tu oui, sais. Je comprends. Pour être franc, au départ, je ne croyais pas que tu pourrais entreprendre ce voyage. Mais une fois sur place, j'ai changé d'avis. Si tu es prête à affronter les inconvénients de la vie de montagne, j'ai même l'impression que tes jambes ne s'en porteront que mieux. Docteur? Oui, je suis sincère. Pour quelle raison vous donnerais-je de faux espoirs? Je suis vraiment convaincu que dans le cas de Claire, c'est la volonté qui importe le plus. La volonté? Tout juste. Pour marcher, il faut que Claire le veuille. Et admettez que la vie facile qu'elle a ici ne la motive en aucune façon. Je suis persuadé qu'elle ne fait aucun effort d'elle-même. Comprends, Claire, que si tu veux te lever sur tes jambes un jour, il te faut au moins avoir la volonté d'essayer. Moi, debout, docteur, c'est ce que vous avez dit? Exactement. En d'autres termes, si tu préfères, il te faut pouvoir acquérir un bon sens de l'équilibre. Ah, alors, elle a des chances de marcher, vous croyez? Oui. Si j'arrive à me lever seule, il se peut...
veux que je sois guérie? Oui, mais je te le répète, tout est affaire de volonté. À moins de faire de gros efforts, tu n'arriveras pas à grand-chose. Est-ce que tu penses vraiment être assez en forme pour affronter la vie de montagne? Oh, oui, je suis forte, il faut me faire confiance. Bien. Alors, il faut que tu te persuades que ce séjour dans les Alpes ne te sera bénéfique que si tu pars avec l'idée d'en accepter tous les inconvénients. Puis tu ne seras pas seule, Heidi t'aidera, et son grand-père également. Ça ira, Claire, tu verras. Oh, docteur! Heidi, le postier m'a donné une lettre pour toi. Ah, te voilà, Pierre. Ben oui, tu m'entends, la lettre de ton ami est arrivée. Hein? Vite, donne la voir. Attends un peu. Voyons, c'est laquelle? En as-tu plusieurs? La voilà, tiens. Les autres sont pour l'homme de l'Alpe. Cher Heidi, je t'écris pour t'annoncer que j'arriverai dans quelques jours à Dorfli. Youpi, grand-père Claire s'en vient, le docteur a tenu sa promesse, elle sera bientôt là. C'est une bonne nouvelle, tant mieux. Tu te rends compte, c'est formidable, youpi. Et toi, qui est-ce qui t'écrit? Le père de Claire et son docteur. Ah bon, avec tout ce qu'il y a à faire en vue du voyage, je ne vois pas le temps passer. Oh, elle vient pas chez nous directement, elle dit qu'elle va d'abord à la station thermale de Ragaz. C'est certainement pour y faire une cure, d'après moi. Ah bon? Oh, par exemple, zut! Quoi donc? Mademoiselle Rougemont voyagera avec elle. Et alors, ma petite chérie, que veux-tu y faire? Et que je pensais que Claire viendrait me voir toute seule? Heidi, voyons, Claire est malade. Tu le sais, elle ne peut pas faire ce long voyage toute seule. Oh, que je suis contente! Oh, Pierre! Comment t'es pas encore partie? Mais Heidi, y a pas quelque chose pour moi dans sa lettre? Attends voir. Oh, mais oui, au fait, j'allais oublier, t'as dit bonjour. Et puis c'est tout? Y a rien d'autre? Oh, ça, c'est bizarre. Alors, j'espère qu'au moins que quand tu lui as écrit la dernière fois, tu lui as dit que j'avais trouvé ses saucisses bien bonnes. Mais bien sûr, voyons que je lui ai dit. Oh, Pierre, tu n'es que mort. Si tu veux le savoir, elle ne reparle pas de cadeaux. Oh, que je suis content. Je crois que tu vas monter seul au pâturage. Faut se faire une raison. Peux-tu me rendre service, mon petit Pierre? Heidi et moi allons au village. J'aimerais bien que tu rentres les chèvres pour moi. Avec plaisir. C'est ici que je vais installer le lit de Claire. Elle sera contente qu'on puisse regarder les étoiles ensemble. C'est un si beau spectacle. Heidi, viens vite, il faut aller à Dorfli. Pourquoi faire, grand-père? C'est pour l'arrivée de Claire, ma chérie. Il faut bien mettre un peu d'ordre dans la maison du village. Quoi? Claire va loger en bas? Comment veux-tu que tout le monde habite au chalet? Il faut que tu penses à Mademoiselle Rougemont. Bon, dans ce cas, moi aussi, je vais rester au village, comme Claire. Mais toi, alors, comment est-ce que tu vas faire pour ton travail? Eh bien, je monterai au chalet le matin. Mais ça va te fatiguer? Ne t'inquiète pas, va. Et puis, tu me donneras bien un petit coup de main. Mmh. Allez, en route. Grand-mère! C'est moi, grand-mère! Heidi! Il y a du nouveau, grand-mère. Devine, j'ai une surprise à t'annoncer. Je ne sais pas, moi. Voyons, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, grand-mère? Attends un peu. Est-ce une bonne nouvelle qui te concerne, Heidi? J'ai trouvé. Ça ne peut être que cela. Je suis persuadée que c'est ton amie de Francfort qui vient de t'écrire pour te dire qu'elle sera bientôt là. Fantastique! C'est ça, t'as deviné? Tu dois être bien heureuse. Oh, qu'est-ce que tu as, grand-mère, dit? Ce n'est rien. Non, rien du tout. Ça va passer. Que veux-tu? Je suis inquiète, petite. Suppose que ces gens de Francfort viennent te rendre visite pour te ramener chez eux. Mais non, grand-mère, je n'irai plus jamais vivre à Francfort, c'est promis. Ah, oh, c'est bien vrai. Tu me le jures, Heidi. Oui, puisque je te le dis, voyons. Puis tu sais, Claire fait bien la lecture, grand-mère. Si tu veux bien, je viendrai te la présenter. Bien sûr. Je serai ravie de la connaître, mon cœur. Alors, tant mieux. Il faut que je parte. Au revoir. C'est ça, ma petite Heidi. À bientôt.
et Heidi et grand-père de s'affairer joyeusement en prévision de l'arrivée de leurs invités. Ils commencèrent par préparer les chambres de Claire et de Mademoiselle Rougemont avant de s'attaquer au grand nettoyage de la maison. Ils ne négligèrent pas leur travail au chalet pour autant. Ils engrangèrent le foin et firent du fromage. Grand-père, de son côté, travaillait toujours le bois. C'est dire que leur journée était bien remplie. Entre-temps, Claire faisait sa cure à la station thermale de Ragaz pour se reposer avant d'entreprendre le reste de son voyage. En fait, cette cure visait à donner plus de force à ses jambes. Vint le jour où Heidi reçut une lettre lui annonçant l'arrivée de Claire pour le lendemain. Je suis content de vous revoir. Oh, bah alors il a appelé mademoiselle. Oh. Montez donc avec nous, mademoiselle Heidi. Vous nous montrerez le chemin. D'accord. Oh. Bonjour, Adélaïde. Comment te portes-tu? Oh, mais très bien, merci. Et vous, mademoiselle? J'en viens pas, elle est montée en voiture avec eux. Oh, tu parles comme j'aimerais y monter, moi aussi. Oh. Je suis si heureuse, Heidi. C'est merveilleux, Claire. Voilà, mademoiselle Rougemont, je crois que nous sommes rendus. C'est donc ici? Alors, j'imagine que notre maison se trouve en retrait. Peut-être, mais d'après ce que je vois à l'arrière, il n'y a que des pommiers. Voulez-vous dire que c'est ça, la maison? Oui, je crains bien que oui, mademoiselle. Pouvez-vous me dire si c'est ici que Heidi demeure? Vous la connaissez? Oui, monsieur. C'est la maison d'hiver de Heidi et de son grand-père. Avez-vous dit la maison d'hiver? Mais oui, monsieur. Chaque hiver, ils viennent habiter ici. Mon Dieu, est-ce possible? Sébastien, qu'attendez-vous? Allons, dépêchez-vous, aidez-moi à descendre, mon ami. J'arrive, mademoiselle. Excusez-moi. Cette maison tombe en ruine. Claire, je te présente mon grand-père. Et voici mon amie Claire. Claire, sois la bienvenue sous mon toit. J'espère que le voyage ne t'a pas fatiguée. Oh, mais non, pas du tout, je vous remercie. Puis j'avais tellement hâte de voir Heidi, vous savez. Je suis heureuse de vous connaître, grand-père. Moi de même, mon enfant. Heidi m'a parlé de toi bien souvent. Crois-moi, c'est avec impatience que je t'attendais. Oh, grand-père, vous êtes si gentil. Bonjour, monsieur. Je suis mademoiselle Rougemont. Comment allez-vous? Enchantée, mademoiselle. Je sais qu'à Francfort, vous avez bien veillé sur ma petite fille. Je vous en remercie. Je vous en prie. Je n'ai fait que mon devoir. Tu viens visiter la maison, Claire? Oh oui, c'est une bonne idée. Oh, quel grand jardin! Et ici, tu ne verras que des pommiers ici. Comme c'est joli! Qu'est-ce que c'est? L'entrée. Oh, si je m'attendais à ça! J'ai été surprise la première fois, moi aussi. Mais je me suis habituée et maintenant, je trouve ça très joli.
ici, c'est l'étable. Oh, alors Kiki est là? Non, voyons, elle est au pâturage à présent. Ah bon, eh bien alors, j'imagine que je la verrai plus tard, sans doute. Oui, demain peut-être. Pas avant? Mais pourquoi? Parce que nos chèvres passent l'été au chalet pour être plus près des pâturages. Nous montrons les voir. Oh. Et Hercule, où est-ce qu'il se trouve? Au chalet, lui aussi. Oh, Heidi, quel dommage. Moi qui avais si hâte de le voir, ce bon gros chien. Ce ne sera plus long, attends un peu. Tu ne fais qu'arriver, nous irons le voir, je le promets. Ah, oh. Alors d'accord, j'attendrai. Là, c'est notre chambre. Vraiment, notre chambre, c'est bien mignon. Heidi, qu'il est joli, ce poil. C'est difficile de se rendre compte au premier abord. On va de surprise en surprise. C'est amusant, non? Oh oui, bien sûr. Tiens, c'est un bien drôle de lit. C'est mon lit à moi. On dort très bien sur du foin. Et toi, Claire, c'est ici que tu coucheras. Oh, c'est que je risque de te déranger si je dors avec toi. Voyons, penses-tu, Claire, et puis tu verras comme tu te plairas ici. Même encore mieux qu'à Francfort. Oh oui. Oh, mais c'est une étable. Des animaux ici. Quelle odeur nauséabonde. Venez, mademoiselle. Hein? Un moment, monsieur. J'aimerais savoir, sans vouloir vous offenser, s'il y a une auberge dans ce village où nous pourrions loger. Une auberge, dites-vous? Non. Je vois. Et dans ce cas, cher monsieur, je dois m'organiser. Auriez-vous l'obligeance de me trouver un domestique, quelqu'un qui serait à mon service? Et là, Sébastien doit s'en retourner sous peu. Vous savez, mademoiselle, je crains que vous ne trouviez une seule personne dans ce village qui ne travaille pas déjà toute la journée. C'est dur ici pour gagner son pain. Je n'en doute pas une seconde, mais je paierai ce qu'il faut. Comme vous voulez. Mais vous n'avez qu'à chercher vous-même, alors. Mais alors, dites-moi, qui s'occupera de notre linge et qui nous fera la cuisine, d'après vous? Je m'en chargerai moi-même. Heidi m'aidera un peu. Et puis, mademoiselle Rougemont, peut-être pourriez-vous mettre la main à la pâte de votre côté, qu'en pensez-vous? Après tout, ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est par ici qu'on monte. Oh, mais il n'y a pas de toit dans cette pièce. C'est curieux. C'est drôle, hein, Claire? Ah, ça oui. Ça, il faut le voir pour le croire. Oh, les montagnes sont vraiment jolies. Tu vois notre chalet? Il est là-haut, à mi-chemin du sommet de la montagne. À l'endroit qui brille sous le soleil couchant? Oui, c'est ça. Pierre ne va pas tarder à redescendre. Pierre? Il est là-haut, au pâturage? Oui. Tu veux dire que il mène les chèvres là-haut? Oh, je t'en reviens pas. Crois-tu que je pourrais y monter, moi? Hein? Grand-père, grand-père! Mère voudrait monter au chalet tout de suite, on peut y aller? Hein? Mais c'est insensé! Partir ainsi à l'aventure, vous n'y pensez pas, voyons. La nuit peut les surprendre. Oh, mais c'est simple, on peut très bien coucher au chalet. Mais oui, comme ça on pourra regarder les étoiles ensemble, bonne idée. Ne te mêle pas de ça à toi, ça suffit, tu m'entends? Mademoiselle Claire, soyez raisonnable, vous ne savez rien de cet endroit que déjà vous parlez de partir sans moi. Mais mademoiselle... Claire, je crois que tu devrais écouter mademoiselle Rougemont. Une bonne nuit de repos te ferait le plus grand bien, tu sais. Les Alpes seront encore là demain à ton réveil. Elles ne vont pas s'envoler, elles n'en seront même que plus jolies. Oui, vous avez raison. Si tu veux, demain matin, on montera avec les chèvres. Oh oui! Le repas sera prêt dans une minute. Vous savez, à la montagne, c'est à la bonne franquette. Reste à espérer que vous l'aimerez. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Ma petite chérie, en attendant, conduis mademoiselle Rougemont à sa chambre, veux-tu? Oui, grand-père. Suivez-moi, mademoiselle Rougemont. Je viens. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Rougemont? Là, j'ai peur, une drôle de créature. Heidi, c'est moi. C'est toi, Pierre? Claire, devine qui est là? Ça doit être Pierre, n'est-ce pas? Allez, viens. Allons. Oh, c'est mon ami Claire. Contente de te rencontrer, Pierre, ça va? Claire, vous faites quoi?
quand tu m'as écrit la dernière fois de Francfort, tu ne m'as pas dit si... Mais tu tais, Heidi, tu exagères, je suis pas gourmand. Hein? Gourmand? Bien sûr qu'il l'est, comme tu ne parlais pas d'apporter de saucisses dans ta lettre, Pierre s'est vexé pour de bon. Oh, pauvre Pierre, tu as tort de t'en faire, je ne t'ai pas oublié, tu sais. C'est vrai? Ben, tu es content maintenant? Grand-père, réveille-nous tout de même. Il faut que tu nous montes au chalet, Claire et moi. Oui, c'est promis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, mademoiselle, rentrez maintenant, vous allez prendre froid. On arrive, mademoiselle.